Mais pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stores si tu veux. Moi ça va. Ça va? Ok. On reprend, tu m'as pas répondu quand tes parents se disputaient, comment ça se passait? C'est-à-dire, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de disputes. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé? Non, pas du tout, là je voulais juste aller me promener. Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça? Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient? Oui, à peu près, c'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. D'accord, mais ça s'entendait que c'était pas une dispute. Non, Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix? Et, enfin, moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix. J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte, en fait, donc j'ai entendu... Enfin, je sais ce que j'ai entendu.